Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met l'emphase, l'idée, طلب العلم فريضة على كل مسلم. Cherche la connaissance, c'est une obligation pour tout un musulman. Alors nous aimons ces mots et sa femme, on trouve l'ilm il al-mahdi il al-lah. Cherche la connaissance, depuis le bien sûr, jusqu'à qu'il rentre dans le tombe, jusqu'à qu'il rentre dans le kaba. Un djimon qui faisait faire ses mots, il continue à apprendre. Et derrière, quand le djimon va tirer à la connaissance, là, comment on va trouver la connaissance? Il va demander à l'imam une question pour voir, quand il va connaître, vous voyez que j'ai où? Il va demander à l'imam qui plie connaît tout le monde. L'imam peut dire une connaissance d'île, avec sa connaissance d'île, il va donner une biologique, il va dire toutes choses. Si ça, il va avec la conseil qui nous peut penser, il va ensemble, il nous dit, vivons mes tâches, vivons mes blâmes, nous. Alors, qui cher frère, un imam, quand il donne un verdict, s'il fait un erreur, il gagne une récompense avec Allah. Vous voyez, s'il fait un erreur, il gagne une récompense avec Allah. Et quand il donne un verdict, si son verdict est bon, il gagne des récompenses. Qui fait que nous ne comprenons pas les imams sur l'opinion de l'homme. Il n'est pas cause pour sa même, il n'est pas cause pour Hawa, il n'est pas cause pour son passion, il n'est pas cause pour son esprit, il est cause pour connaissance. Alors, être musulman, il ne fallait pas éliminer celui qui n'est qu'une seule opinion, donc il faut les exposer à lui-même, il les y aller à lui-même. Ça, c'est le premier problème de la situation qui nous dit actuellement, c'est nous bien loin avec la connaissance digne. Combien hadith, le professeur va aller voir cela filmer en face, l'océan la connaissance. Mais souvent, on n'est pas beaucoup, quand il y a un programme, il y a une leçon, on peut faire, après Aïcha, je vais faire question un hadith. Un djimon, il va venir, si c'est assis dans ma zine, même il met un sommeil ici, il va faire rien, si son présence, il faut bien profiter de quelque chose. À qui si gagne sa maraca qui peut être mentionné selon la robe d'Allah. Mais c'est pas du tout précis aujourd'hui. Il est précis aujourd'hui. Il va me dire, et il y a du bout de où, hein? Lors de l'information, je vous ai dit, il y a du bout de où. Il y a pas de sommeil, vite, mon zèle. Après, et ça, ma zine. Après, il me dit, ma zine, aujourd'hui, ça va pas fonctionner. Ma zine, il met tout qualité blanche. Quand ma zine amène un frère, mais là, pour une leçon, il me explique. Ça n'a dit, non, le PSC est fatigué, il travaille une journée. Une différence entre nous avec les pocavants, du coup, nous sortions, c'est sa connaissance. Alors, du connaissance d'une côté, nous vient de deux noyés. C'est un coup de bloquer, c'est que nous, pas fait de l'enlever, comment capable. Aujourd'hui, c'est l'ignorance. L'ignorance dans une communauté, l'ignorance. Il m'a posé une topic. Tout le monde va arriver à une petite chose là. Comment arriver à un événement là? Vous avez un bout de monde qui est au repos là. Ça peut être une seule opinion. Un qui se vient là, il ne peut pas donner l'opinion de l'ordi. De l'ordi, il ne peut pas connaître une petite chose, nous restons tranquilles. C'est tellement grand que je pose une question pour Imam Malik, Rahimahullah. Il y a près de 40 questions qu'on a posées. Vous voyez, Imam Malik, il y a un titre appelé Imam Dabou Hijra, Imam Madina. Les grands imams de son époque, lui-même, il a posé près de 40 questions. Il a posé près de 85 ans. Le reste, on va connaître. Nous, question qui va poser, nous intéresse pour nous même. Alors, ça, c'est le halal numéro 1, c'est l'ignorance. Et qui compte, c'est loin du même, avec la fin, connaissance digne.